Bonjour. Aujourd'hui, nous allons, dans mes 12 questions, parler de films documentaires et pour en parler, deux invités. J'aime beaucoup cette présentation quand il y a deux invités parce que j'ai l'impression de présenter un match de boxe. Parce que je dis à ma gauche, j'ai Jean-Paul Joinel, qui Ce est sera pas exactement ça. le représentant Je de crains de te l'association décevoir. Protea Moi, je suis prête. en Martinique. Et puis à ma droite, j'ai la ravissante Clara Fontana, qui est coordinatrice de l'association. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut dire deux mots de l'association Protea? Oui, je pense que c'est Clara qui peut mieux la présenter, puisqu'elle travaille sur plusieurs territoires, alors que moi, je ne suis que le délégué de l'association en Martinique. Alors, Clara, Oui, l'association Protea, qu'est-ce que c'est depuis quand elle existe? l'association Protea, elle existe depuis plus de 10 ans maintenant. Effectivement, elle agit sur plusieurs territoires et c'est ça qui est intéressant, c'est que même avant le Covid, on était déjà en distanciel en fait avec le pôle Martinique, le pôle en Réunion aussi, on est aussi à La Réunion. Et on est en train de développer également un nouveau festival en Guyane. Donc, on agit sur plusieurs tableaux. Il y a également des conférences qui sont et des projections débats qui ont lieu en région parisienne. Donc, voilà, on est très occupé sur toute l'année. Et dans tous les cas, un festival comme celui des Révoltés du Monde en Martinique, c'est un festival qui demande beaucoup de préparation. Voilà, et donc. Le but principal de l'association Protea, c'est quand même effectivement d'informer, de sensibiliser le plus grand nombre aux questions liées à l'histoire de l'esclavage, de la colonisation. Voilà, on aborde des thèmes quand même assez forts. C'est une association qui est quand même très engagée, composée pour la plupart de militants et de professionnels de l'audiovisuel. Voilà. Donc, on a effectivement Jean-Paul Joinel ici présent. On a également Hamzat Boukari qui sera ici avec nous sur le festival. Il arrive ce soir, qui est un historien également réputé sur ces questions liées à l'esclavage. Et puis, voilà, Bruno Maillard qui est plus axé sur l'esclavage sur l'île de la Réunion. Voilà, donc c'est vraiment des thématiques liées à l'histoire des Afro-descendants qui sont abordées grâce et à travers les films qu'on va projeter. Et puis aussi également à l'issue des projections avec des débats qui sont souvent très riches et des échanges entre des intervenants, le public et des membres de Protea. Enfin, voilà. Alors, cette aventure a donc commencé en 2017, c'est ça? En Martinique, en fait, le festival Les Révoltés du Monde, tel qu'il est aujourd'hui mis en place, il a démarré en 2017. Donc c'est pour ça que là, c'est la cinquième édition. Mais l'association Protea faisait déjà des festivals avant en Martinique. Et que peut-on retenir des éditions précédentes? Eh bien, ce qu'on peut retenir, c'est qu'en fait, chaque année, on a de plus en plus de fidèles du festival, de plus en plus de personnes qui, effectivement, sont présentes au rendez-vous. Et ça fait vraiment plaisir parce que on se rend compte qu'au fil des éditions, et notamment pour ce festival des Révoltés du Monde en Martinique, au fil des éditions, il y a de plus en plus de personnes, en fait, qui se déplacent et qui attendent en fait le rendez-vous avec impatience. Donc revoir les mêmes aussi fidèles chaque année, c'est un plaisir. Et puis aussi sensibiliser les plus jeunes. Donc c'est vrai qu'on essaye de sensibiliser vraiment les plus jeunes à ces questions-là, qui sont fondamentales. On se déplace dans les lycées, dans les écoles, dans les collèges de Martinique. On a pu maintenir les projections scolaires en avril, là, 2021. Parce que le festival devait avoir lieu en avril. Oui, Dans ça, il faut le préciser. reporté. Alors justement, on peut dire quelques mots dessus, en cette période Covid, ça a été difficile, l'organisation? Oui, ça a été très délicat. Bah, tout simplement, on a eu peur de ne pas pouvoir le faire. Vous Hein. avez pu avoir les invités que vous voulez, parce que chaque projection est combinée avec un débat, donc il faut l'intervenant. C'est possible, ça a été possible, donc tout était OK. On a réussi effectivement l'exploit de faire venir des intervenants aussi depuis l'Hexagone et des invités réalisateurs, ce qui n'était pas gagné du tout. Donc non, effectivement, ça a été un peu le parcours du combattant. Donc on devait faire l'édition en avril. Avec la crise sanitaire, on a été contraint de reporter. On a eu pas mal de frais justement engendrés
par ça. Et puis là, en juin, on est très content de pouvoir être là avec vous. Donc c'est vraiment chouette, quoi. On est ravis. Pour faire partie de cette association, par exemple, pour choisir des films, il suffit que j'aime un film, je dis voilà, on va projeter ce film. Comment ça se fait ? Ça ne se passe pas comme ça, c'est-à-dire qu'il y a l'association, un socle de comment dire, ce sont ce qu'on appelle les piliers, comme Clara, les amis qui sont à La Réunion, à Paris, etc., mais qui sont là depuis de nombreuses années, qui sont des professionnels de l'audiovisuel et souvent des professeurs d'histoire. Donc, on prend l'exemple d'un film qui sera projeté en commune, je ne sais pas, au hasard. Les statues de la discorde. Les statues de la discorde. Tout le monde c'est voit un documentaire le plus demandé, vous avez fait remarquer. Oui, c'est pas très étonnant, parce que c'est celui qui... c'est un festival qui fait voyager. Hein. Les statues de la discorde concernent la Martinique, mais même pour ce film qui est le plus proche de la réalité martiniquaise, on va aller à La Réunion, parce que les mêmes problématiques se posent à La Réunion, aller en Île-de-France et rencontrer également des militants, enfin... C'est pour ça que ce film, je crois, est très demandé. Et donc, chacun reçoit le lien pour regarder le film. Et puis après, on a des réunions par Zoom en disant « Moi, je défends ce film parce qu'il y a telle sensibilité. C'est dans vraiment l'ADN du festival. » Enfin, il faut voir les discussions. C'est étonnant. On ne se regarde pas souvent parce qu'on est pris dans le truc. Mais on est vraiment... ce sont des réunions qui sont... intense. Et puis on regarde, c'est une sélection, donc on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de films que ceux qui sont retenus à la fin. Mmh. Et chaque fois, c'est un crève-cœur, parce que on élimine pour des films. Pour l'édition 2021, on a combien de films au programme ? On en a en tout 14. Donc il y en a. Il n'y a que des films, il y a des films documentaires. Oui. C'est un festival international de films documentaires. Donc, on en a 14, il y en a 10 qui sont en compétition, 4 qui sont hors compétition, ceux qui sont encore... Justement, je veux un peu plus précision. Quand vous dites hors compétition, ça veut dire qu'ils sont trop bons pour aller en concurrence ou pas assez bons pour... Non, c'est pas forcément exactement la thématique et tout, enfin, vas-y. Oui. C'est des films musicaux, par exemple. C'est ça. Il y en a 3 sur 4. Je vois que Clara s'esclave à travers mes questions parce que elle ne comprend pas pourquoi je suis aussi drôle. Mais c'est tout simplement parce que je trouve qu'il faut être simple et les gens voudraient comprendre pourquoi il y a des films hors compétition et des films en compétition. Il y a 10 films en compétition et 4 qui ne sont pas en compétition. Pourquoi ces ceux-là ne sont pas en compétition ? C'est une très bonne question. En fait, chaque année, on choisit 4 films musicaux pour faire quand même une part belle à la musique. Qui est omniprésente sur nos territoires. Hein. Voilà, tout à fait. Et donc, les documentaires qui sont hors compétition sont des documentaires axés sur la musique. Donc la musique noire, mais qui passe par... voilà, donc là, par exemple, on a un film sur Aretha Franklin, sur Patrick Saint-Éloi, et également Miles Davis. Donc c'est des films plus légers, en fait, aussi, qui viennent apporter un peu de fraîcheur à la programmation, qui peut parfois être un peu, effectivement... dur, parce que les luttes, il y a des gens qui perdent leur vie, qui... aucune lutte n'est gratuite. On paye quand on a l'audace de se lever et de dire on va changer les choses. Et ça, c'est ça vraiment l'ADN du festival, c'est de parler de personnages qui ont conduit ces luttes-là ou de mouvements, ça peut être des mouvements de peuple, carrément. Il y a un film, par exemple, qu'on a pris en dehors de notre sphère, qui s'appelle Ophir. Qui est le film qui a remporté le prix du Festival documentaire du Pacifique, qui raconte la lutte
d'un peuple premier, en quelque sorte, en nouvelle, comment ça s'appelle, en Nouvelle-Calédonie. Aux Nouvelles Hébrides. Mm-hmm. Et c'est ça. Et enfin, c'est classique, ça arrive partout dans le monde. Il y a une compagnie minière, donc voilà, qui une multinationale qui arrive et qui prétend, puisqu'il y a des minerais à cet endroit ou du pétrole, eh bien on va se servir. Et c'est pas compliqué quand on a beaucoup beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on fait? On corrompt le gouvernement. Et puis on essaie de détruire aussi, avec les mêmes moyens, la communauté en question. Il y a des gens qui sont achetés, etc. Et là, ce qu'on raconte, c'est la lutte de ce peuple pour reprendre la propriété de cette terre qui leur appartient de toute éternité. Et ça, on pourrait transposer cela au Congo, en Amérique du Sud, au Brésil, peut-être demain en Guyane, puisqu'il y a la problématique de la montagne d'or en Guyane. C'est vraiment... Moi, je remarque que j'ai une formation d'historien au départ. Je me rends compte que, contrairement à ce que je croyais, quand un territoire a des mines sur son sol, moi, je croyais que c'était une bénédiction. Pas du tout. C'est une malédiction. C'est une malédiction parce que ça apporte automatiquement de la corruption, ce dont on vient de parler, et puis le malheur, quoi. On détruit l'écologie du coin parce que, bon, il n'est pas question de... On creuse comme on veut, on détruit tout. Et c'est que depuis... c'est assez récent qu'on oblige ceux qui ont détruit ainsi la nature, qu'on l'oblige, il y a des clauses maintenant... Mmh. À replanter et à remettre en l'état. Voilà. Ça s'appelle remettre en l'état. Alors, le festival a commencé jeudi. Hein. Quel accueil le public lui a réservé pour l'inauguration? Alors, jeudi, on s'était posé la question parce que on a fait un pari. Le film qu'on a montré, qui s'appelle En route pour le milliard, c'est, je dis rapidement ce que c'est. C'est il y a eu une guerre entre l'Ouganda et le Rwanda, et cette guerre s'est déroulée pendant 6 jours dans une ville qui est congolaise, qui s'appelle Kisangani. Et donc il y a eu des milliers de morts, évidemment, et pas mal de personnes qui ont été estropiées. Donc ce sont des personnes qui sont en situation de handicap, qui se sont battues pendant 18, 19, 20 ans pour avoir droit aux réparations. Et bon, ça ne bougeait pas. Et ils ont décidé de se prendre en main, ils ont changé de stratégie, ils ont décidé de monter à la capitale. Mais monter à la capitale, ce que ça veut dire, c'est une épopée. Hein, parce qu'il faut passer, c'est le fleuve Congo, etc. Et puis arriver devant les instances, et puis se battre pour être entendu. Donc je ne raconte pas toute l'histoire, mais on est vraiment au plus près des gens, physiquement. On est à 10 cm des gens, et comme ils sont souvent estropiés, etc., c'est assez dur, mais on est submergé par la force de ces gens-là, leur humanité et leur détermination. Enfin, c'est vraiment une leçon. Moi, je donne quand même une impression très personnelle. Ça m'a fait penser à la lutte qui a lieu aujourd'hui en Martinique, des ouvriers agricoles qui ont été bousillés par le chlordécone et qui se battent pour que leurs droits soient reconnus par un État qui est supposé être démocratique, qui pour l'instant est totalement sourd. Je pense que c'est un film qui doit être projeté peut-être devant ces ouvriers agricoles pour leur montrer que quand on est déterminé, quels que soient les handicaps et tout, eh bien, on y arrive parce que voilà. Dites-moi, le public a été très très impacté. Vraiment, les gens étaient surpris. En route pour le milliard. Il n'est pas projeté en décentralisation. Il est malheureusement, il n'a pas été retenu par. Alors, les est-ce communes. Qu'on peut dérouler un peu le programme pour les mois à venir, pour oui, oui. Et puis. Je sais que vous allez peut-être influencer le jury en me disant, mais donnez-moi votre cœur. Non, j'ai confiance.
Le jury tel qu'il est composé n'est pas influenceur. Mais c'est sûr. Alors, c'est on peut dire en mot du jury aussi. On en parlera tout à l'heure. Mais donc ça veut dire que Clara peut me dire quel est son coup de cœur alors. Ah oui, tout à fait. Je peux alors. Eh bien, vraiment, si je devais choisir un film parmi toute la programmation qui est très variée, justement, qui aborde beaucoup de problématiques différentes. Je voulais juste faire une petite parenthèse pour rebondir sur ce que disait Jean-Paul. Ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, les documentaires qu'on sélectionne, la plupart du temps, représentent donc des situations particulières qui, en fait, sont complètement transposables à des dizaines de situations. Et on part du particulier pour aller vers l'universel et montrer à quel point les thématiques qu'on peut aborder, les situations que certaines personnes vont être confrontées à des situations très, très particulières et qui, en fait, touchent beaucoup plus largement dans beaucoup d'endroits sur Terre. Donc ça, c'est ce que je trouve vraiment incroyable. Et donc, oui, mon film coup de cœur, moi, c'est le film Ophir, effectivement, dont a très bien parlé Jean-Paul, qui est un film coup de poing, qui est un film très, très fort, qui aborde cette situation sur l'île de Bougainville, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et qui, donc, permet d'avoir une vision assez universelle de cette lutte pour le territoire, cette lutte contre l'expropriation et qu'on retrouve dans plein d'endroits, effectivement, sur Terre, malheureusement. Donc, c'est un film qui ne sera pas en commune. Donc, si je devais choisir un film qui sera diffusé dans les communes, ce serait plutôt Les Statues de la Discorde, effectivement, qui est pareil, un film très attendu, un film très fort qui parle d'un sujet on ne peut plus brûlant d'actualité en Martinique, mais aussi, comme l'a dit Jean-Paul, à La Réunion. Et puis en métropole également, hein, il y a eu effectivement des statues qui ont été vandalisées. Vous êtes sur la même longueur d'onde, parce que vous avez vu les films, donc également, vous n'avez pas un coup de cœur différent. Tout à fait. Moi, comme je suis moins courageux que Clara, je ne vais pas prendre de risques et je vais parler d'un coup de cœur qui est hors compétition. Donc, on ne pourra pas me dire, tu essaies d'influencer le jury, même si je sais que le jury n'est pas influençable. Moi, je vais parler de Miles Davis. Je suis, pour moi, c'est un artiste vraiment extraordinaire. Hein. Je pense que si on me disait qu'on va t'exiler sur une île déserte et tu as le droit de prendre avec toi les CD, les disques, enfin les productions d'un seul artiste, c'est celui-là. J'hésiterais quand même entre Stevie Wonder, Miles Davis ou Aretha Franklin. Et je choisirais Miles Davis, parce que c'est une musique que j'ai écoutée quand j'étais en difficulté. Et ça m'a donné beaucoup d'énergie, quand on perd quelqu'un, ou bien quand on perd quelqu'un parce qu'il est parti, il est mort, il a disparu, ou bien quand c'est une personne qu'on aimait beaucoup et elle change d'avis par rapport à vous. Vous savez, elles sont cruelles parfois. Mm-hmm. Et donc, j'ai subi ça plus souvent qu'à mon tour. Alors, il y a trois prix qui sont attribués. Il y a le prix spécial du jury et prix du meilleur film caribéen. Il y a le prix jeune et prix du public. Comment ça va se passer ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Quels sont les montants des prix attribués ? Alors, donc, en fait, il y en a quatre. Puisque donc il y a le prix spécial du jury, le prix du meilleur film caribéen qui récompense, qui sont deux prix distincts décernés par le même jury, par contre effectivement jury professionnel composé de sept personnalités martiniquaises et tout comme la programmation, on a choisi aussi un jury quand même très varié, avec Victor Anissé, donc qui est un peintre reconnu en Martinique. On en parlera plus tard. Juste après, on en parle. Pas de problème. Et sur les prix, donc ce jury va décerner deux prix. Oui. Le grand prix du jury, le prix du meilleur film caribéen, qui récompense uniquement les films caribéens de notre programmation. Mmh. Il y a également le prix jeune, qui est décerné par 7 lycéens en option cinéma au lycée de Bellevue. Et bien sûr, le prix du public. Comment ça se passe ? Le public va aller voir, comment va voter, ou un bulletin, le voit passer dans l'isoloir ? Et alors, c'est presque ça. On a une urne, donc vraiment, qui est là. Donc, on peut vraiment faire la simulation à voter. Et après chaque film,
on récupère en fait les bulletins de vote. D'accord. Donc c'est vraiment assez simple comme système. C'est si en fait il y a trois cases à cocher, enfin une case à cocher sur trois. J'aime beaucoup, j'aime un peu et j'aime bien. Et en fait, après, on comptabilise tous ces résultats-là. Et le film qui aura vraiment eu le pourcentage le plus élevé de J'aime beaucoup gagne le prix du public. D'accord. Voilà. Et donc, le réalisateur a droit à une bouteille de rhum, c'est ça? Il a même un trophée. On a des trophées qu'on... On peut en parler? Réalisés par qui? Oui, qui ont été réalisés... Alors, c'est la CSM, il me semble... Il faudrait que je ne m'occupais pas des trophées. Il y a des trophées qui sont jolis, qu'on décerne. Donc, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'enveloppe. Non, il n'y a pas de... Parce que c'est un moins difficile quand même. Effectivement. Pour ça, on a des masterclass, par contre. Mm-hmm. Effectivement. Alors, cela encore, on va parler... Parce que moi, j'aimerais bien qu'on dise deux mots sur le jury. Ouais. Donc, qui est le président cette année? Je le sais, mais bon, c'est pour vous. Oui, c'est Chris Burton. Mm-hmm. Donc, il y a... qui a la particularité dans le jury d'être relativement jeune, même s'il a déjà beaucoup œuvré. C'est quelqu'un qui vient de la fiction, mais il va se confronter, il a accepté tout de suite, il n'y a pas eu de discussion. Il a accepté tout de suite d'être président d'un jury de films documentaires, et c'est pas du tout son secteur, mais il va se confronter à cela. Il y a une chanteuse également. Oui, une chanteuse qui est très connue en Martinique, puisque c'est Suzy Trémaux, la chanteuse de Quack. C'est difficile à mettre en place un jury pour ce type de festival? Non, parce que les personnes, chaque fois que nous appelons, viennent avec plaisir. Après, c'est une affaire de disponibilité, et cette année, ça a été aussi une affaire de, il y a un artiste qu'on va peut-être voir l'année prochaine, qu'on voulait voir ici, je ne déflore pas, parce que ça va faire un boom. Il était tout à fait d'accord pour venir et tout, un Martiniquais, et ça a été impossible parce qu'il n'y a pas d'avion. Il n'y a pas d'avion et on ne savait pas s'il fallait 14 ans, etc. C'était beaucoup trop compliqué, on courait des risques. En maintenant cette invitation, ce qu'il a très bien compris. Parce qu'il habite à New York. Et donc c'est vrai qu'avec les... Voilà, La pandémie, Dieu, enfin, je ne sais pas qui nous prête vie qu'on continue à travailler, il sera présent. Oui. Notre souhait, c'est qu'il soit présent en avril 2022. On veut revenir au mois d'avril. Oui. Voilà. Voilà. Ensuite, il y a quelqu'un qui, on en a déjà parlé, c'est Victor Amissé, qui a l'image et l'autorité qu'on sait dans ce pays, qui a déjà tant fait. Je crois qu'il est rare qu'une personne ait un lycée prenne le nom de quelqu'un qui est vivant. Et tout le monde connaît le lycée Victor Amissé à Saint-Pierre. Et puis une personne, Marie-Josée Ali, qui est à la fois, je ne vais pas la présenter, mais je vais quand même insister sur le fait qu'elle est à la fois journaliste, musicienne, réalisatrice de documentaires, etc. Donc elle a la sensibilité, évidemment. Madame Yolande Salomé Thompson, qui est la conseillère livre et lecture et cinéma et audiovisuel à la direction des affaires culturelles de Martinique. Et puis un jeune chanteur, qui s'appelle Loy Sonja, qui nous vient du Marin, enfin, je l'ai vu plusieurs fois au Marin. Et puis, c'est une personne, chaque fois que j'en parle, je dis, c'est presque automatique, qu'il faut lui rendre un grand hommage, puisque c'est Gilbert Pagot. Je ne sais pas ce que serait la connaissance de l'histoire de la Martinique en Martinique, si, plaçons-nous dans l'hypothèse, où Gilbert Pagot n'existerait pas. Je crois que ce ne serait pas du tout la même chose. Donc on est très fiers, vraiment, c'est très sincère d'avoir que Gilbert, qui est intervenu souvent sur nos films et tout, ait accepté d'être au sein du jury cette année. Alors, ces 7 membres du jury vont se réunir quand? Vont rendre leur verdict quand? Ils voient tous les films, évidemment, et ils se réunissent quand tous les films sont passés. Ils se réunissent, il y a une réunion qui est...
là, que, à laquelle on ne peut pas assister, ça, et ils se mettent d'accord pour déterminer les deux prix dont on a parlé. En tout état de cause, le 3 juillet, c'est la fin du festival, on aura... Non, plus vite que ça, puisque le festival lui-même, la compétition, disons, se termine à Madiana dimanche après-midi. D'accord. Dimanche après-midi. Donc en début de semaine prochaine, on devrait... Non, dimanche soir. C'est dimanche soir. Ouais. Dimanche soir, ce sera officiel ici, sur toutes les antennes, évidemment, on va communiquer. Mm-hmm. On pourra révéler le palmarès du festival en parlant aussi des prix du public et du prix des jeunes. Voilà. Alors, vous m'avez expliqué qu'il n'y a pas d'argent, hein, donc, mm-hmm. mais pour faire fonctionner une association, il faut justement des moyens. Comment vous faites? Vous avez des sponsors? Oui, bien sûr. C'est ce qu'on fait, c'est qu'il faut réunir un tour de table. Alors, il y a la Martinique est heureusement dotée en institutions importantes qui partagent totalement notre implication pour ce festival. Quand vous dites institution, donc on parle par exemple de l'Office du tourisme. Je vais vous dire, non. On parle d'abord de Martinique la Première, mmh. qui est notre partenaire et qui diffuse mmh. un certain nombre de films de ces documentaires, justement. Et puis, y a quelqu'un dont j'ai oublié de parler, mmh. qui est le directeur des programmes oui. de Martinique la Première, mmh. Monsieur... j'ai oublié son nom. Qui était présent hier soir et qui a fait... Laurent Salced. Monsieur Salced, qui a fait aussi un joli discours. Vous savez, le cinéma, c'est une affaire de passion. Et cette passion, comme la musique, hein, et cette passion, elle touche un certain nombre de personnes qui sont en responsabilité. Quand on va voir, par exemple, donc Martinique la Première, c'est très naturel. Il y a ici la collectivité territoriale de Martinique. Quand on va voir les responsables culturels, les élus qui sont en charge de la culture à la CTM, ça se passe également très bien parce qu'ils ont le même objectif que nous. Ils comprennent évidemment... C'est quoi votre budget ? Alors, le budget total, je ne peux pas vous dire. Mais il y a aussi des aides du CNC, de la Caisse des dépôts, c'est un tour de table qui est classique pour un festival. Exact, on ne peut pas dire à peu près ça tourne. Moi, je n'en ai aucune idée. Parce que ma mère me disait tout le temps que mon mépris de l'argent me perdra. Donc, je suis perdu. Vous êtes presque perdu. Quand vous me posez cette question. Alors, il y a des personnes qui s'en occupent et vraiment, de manière très efficace, ça fonctionne tout à fait. Peut-être que Clara... Ce qu'on peut retenir quand même pour clôturer un peu la partie financière, c'est qu'on est essentiellement aidé par des aides publiques, en fait. Mmh. On est subventionné essentiellement par des institutions publiques. Voilà. Et est-ce que vous envisagez, parce que c'est quand même, il faut reconnaître que c'est l'année de la guerre, vous envisagez à l'avenir d'encourager les participants en leur attribuant un prix, quoi? Alors, en fait, nous, déjà, là où on œuvre vraiment pour effectivement encourager la réalisation et la production d'œuvres audiovisuelles, qu'elles soient longues ou courtes d'ailleurs, il y a aussi des très bons programmes courts qu'on encourage vivement. En Martinique, on a vraiment des masterclass. Donc là, on a eu 6 masterclass en distanciel en avril qu'on a pu maintenir malgré la crise sanitaire. On a 2 masterclass qui se passent donc le vendredi 25 juin et qui ont attrait à l'écriture documentaire, à la production, justement la recherche de financement. Et en fait, on met en relation des professionnels de l'audiovisuel martiniquais, des réalisateurs, des producteurs, avec personnes qui sont à même de peut-être débloquer des financements, etc., pour certains projets. Donc, le rôle du festival, c'est surtout de faire le lien, de permettre aux gens de se rencontrer. Donc déjà, là-dessus, je trouve qu'on a un rôle important et intéressant, et qui est, et c'est aussi ça le nerf de la guerre, hein, c'est les rencontres, et permettre effectivement à des réalisateurs de pitcher leurs films auprès de producteurs et de diffuseurs. C'est déjà aussi une grande aide qui n'est pas donc matérielle, mais qui est qui souvent aboutit. Hein. Il y a des projets qui ont été qui vont être produits là. Donc des projets qui ont été pitchés justement lors des masterclass en avril.
à des diffuseurs. Donc ça, c'est, nous, on est ravis, quoi. Donc déjà, là-dessus, on essaye d'aider, effectivement, les jeunes réalisateurs à se lancer. Oui. Mais effectivement, c'est intéressant de parler d'argent parce que dans le film et le cinéma documentaire, c'est souvent ce qui pêche. C'est, et pareil, oui, effectivement, quand on organise des festivals de films documentaires, on a rarement un budget illimité. Donc oui, c'est... Il faut voilà, réussir à bien gérer toutes les dépenses et c'est pareil quand on produit un film. Et puis il y a un élément qui est le plus important, puisque quelle est la signification d'un prix? Qu'est-ce que ça fait un prix? Quand quelqu'un a, par exemple, le prix, de, le grand prix du festival. C'est probablement une reconnaissance du travail accompli. Non, c'est pas. Oui, c'est une forme de reconnaissance, mais c'est surtout, et ça c'est très concret, un formidable booster de diffusion. Évidemment, si votre documentaire a un prix comme Ophir a eu un prix pour le Festival du Pacifique, c'est il y a des gens dont c'est le métier de surveiller les festivals et de savoir qui a eu un prix, quel est le film qui a été primé, quels sont les films qui sont primés, parce qu'évidemment, ils vont se tourner vers ces films-là en priorité pour les diffuser. Donc, ça, c'est pas c'est, le titre. Représente quelque chose qui est... c'est pour ça que les réalisateurs bon, rentrent en compétition pour avoir des prix, parce qu'ils savent très bien ce que ça signifie concrètement en termes de booster de diffusion. Mm-hmm. Voilà. D'accord. Il y a ce que vous appelez dans ce festival le hors-mur, hors les murs. Bon, en clair, ça veut dire que c'est en décentralisation. Hein. Alors... J'aime pas le mot de décentralisation. Oui, sans doute, mais c'est ça. Je vous dis pourquoi. Oui. Je vous dis pourquoi. Oui, je vous c'est un mot politique sur lequel on peut avoir tout un tas de jugements. Il y a des gens qui pensent que ça, c'est un succès, il y a des gens qui pensent que c'est une catastrophe. Donc, l'univers du cinéma, nos critères, c'est où est-ce qu'on projette. Mm-hmm. Voilà, c'est pour ça qu'on ne parle pas de décentralisation, et on dit hors les murs étant ceux de Madiana. Alors, voilà. je joue avec les mots. Mm-hmm. Ça veut dire que vous allez... J'adore ça. vous allez vous produire, pas dans des salles, alors. Mm-hmm. Voilà, hors des... Parfois, par exemple, parfois si dans pensait, des murs, hors les murs de Madiana. Murs, on a l'année dernière, on a projeté un très beau film sur... comment il s'appelle, notre artiste lyrique national. Fabrice Di Falco. C'était à la cathédrale de Saint-Pierre et je vous assure que ça avait de la gueule. Vraiment. Voilà. Donc ça peut être dans un lieu, mais à Saint-Pierre, on a déjà projeté aussi, on le fait plus souvent, sous le marché. Alors, là, parlons un peu de cette programmation hors les murs. Donc, à partir de cette semaine, hein, donc, on laisse Madiana, les salles de Madiana, pour aller vers les communes. Alors, vous pouvez dérouler le programme pour nous, pour oui. Éviter les Martiniquais à s'intéresser à... Quand le festival est arrêté dans leur commune. Exactement. Donc, en fait, la compétition se passe uniquement à Madiana. Une fois que ça s'est terminé, que les prix ont été décernés, ça continue en commune. Donc, dès le mardi 29 juin, on invite effectivement les Martiniquais proches ou même habitants au Lorrain à 18h30 à la Maison de la Culture du Lorrain à venir voir le film Soul Kids. Donc, qui est un film qui se passe aux États-Unis et qui est un film musical très beau également. On sera en présence du réalisateur, Hugo Sobelman, qui est venu pour l'occasion. Donc voilà, ça c'est toujours intéressant de pouvoir échanger avec le réalisateur après le film. Et il y a également dans les communes des clôtures musicales. Donc une fois que le film est projeté, il y a un débat, on échange et ensuite il y a une animation musicale qui clôture la soirée. Donc c'est vrai qu'en commune, c'est encore plus festif peut-être qu'à Madiana puisqu'il y a ce côté où on va directement dans les communes. Donc c'est souvent en plein air aussi. Ça là, c'est pas en plein air, c'est la Maison de la Culture du Lorrain. Là, c'est la Maison de la Culture du Lorrain. C'est dans les murs. Hein, là, c'est dans les murs. D'accord. Là, c'est dans les murs. Mais je dis toujours hors les murs de Madiana. J'avais compris. Voilà. Tout à fait. Un pour moi aussi. Après, le mercredi 30 juin, on reste dans le Nord. On sera au Prêcheur à 18h30. Donc, pour projeter le film très attendu également, Les Statues de la Discorde. Votre coup de cœur.
un de mes coups de cœur. Mm-hmm. Un de mes coups de cœur. On sera d'ailleurs en présence de l'enseignant-chercheur Rodolphe Solbiak, qui a écrit un livre sur, effectivement, les déboulonnages de statues et qui en parle très bien. Et il sera là pour échanger avec le public. Il y aura également une clôture musicale ce soir-là, avec quatre musiciens qu'on vient de recruter, qui sont Joanne Lebon et Sinke, le chanteur Sinke. Voilà. Mmh. Donc ça promet d'être, pareil, assez festif après le film. Nous serons également le même soir à Chelcher. Donc là, c'est à l'esplanade Osna Casnavir. C'est un peu plus tôt, que c'est 18h. Hein. Un peu plus tôt, effectivement, ouais, à 18h. Oui, je vous invite quand même à bien lire le programme, puisque les horaires peuvent varier selon les communes. Mmh. Donc là, ce sera à 18h pour le film Outre-mer Olympique. Donc, qui est un film qui ne fait pas partie de la programmation du festival, mais qu'on a décidé d'intégrer quand même dans notre programme parce que c'est un film qui nous semblait intéressant à mettre en avant. Et bien sûr, l'auteur sera présent, Mathieu Méranville, qui présentera également son ouvrage sur cette thématique. Le mercredi 30 juin, toujours, on sera à Rivière-Salée aussi à 19h au Centre culturel de Rivière-Salée, avec le film Massacre River, dont on n'a pas parlé encore, et pourtant c'est un film pareil qui est très attendu par notre public. C'est un film qui parle effectivement des personnes d'origine haïtienne en République dominicaine, qui, je ne sais pas si vous avez cette histoire en tête, mais en 2013, il y a un arrêté de la Cour de cassation constitutionnelle qui effectivement destitue des milliers de personnes d'origine haïtienne de leur nationalité dominicaine. Et donc on a des milliers de personnes qui se retrouvent apatrides, sans nationalité. C'est un film qui est très très fort également, très émouvant. Et on suit le combat d'une femme qui va vraiment tout faire pour récupérer sa nationalité dominicaine, puisqu'elle est née en République dominicaine. Elle a des enfants qui sont nés en République dominicaine. Et donc elle va lutter, en fait, et c'est un parcours du combattant qu'on suit avec... Vraiment, on la suit tout le long, où elle va vraiment d'administration en administration, elle doit demander caution à des dizaines de personnes qui doivent effectivement témoigner qu'ils la connaissent, et que... Enfin, voilà, c'est complètement... Ouais, c'est ubuesque. Et donc, c'est un film qui sera projeté à Rivière-Salée. On vous invite vivement à aller le voir. Il y aura le docteur Max Casimir, spécialiste des questions d'Haïti, qui sera présent. Hein. Donc, tout à fait. Alors, je précise que, en fait, moi, je n'ai pas l'impression que c'est très loin de la Martinique, puisqu'on a souvent, on entend en tout cas des discussions sur le fait que... Il y a des Haïtiens qui débarquent en Martinique, etc. Enfin bon, voilà. Donc c'est une thématique qui nous intéresse, qui concerne notre environnement très directement, de toute façon. Très directement. Oui. Parce que les mêmes personnes parfois qui trouvent que c'est une difficulté, ce sont les mêmes qui parlent du problème démographique qu'on a avec la baisse de notre démographie. Et le vieillissement de la population. Donc, parfois, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de cohérence, mais c'est le fait des êtres humains. Ouais. Voilà. Alors, on poursuit avec le programme. Donc, jeudi 1er juillet, on sera à Saint-Pierre. Donc, on retourne dans le Nord. Oui, voilà, tout à fait. Retour au Nord, à Saint-Pierre, donc à 19h, au marché couvert, cette fois, de la ville. Donc, on projettera l'épisode 1 de la série Esclaves, la mémoire engloutie. Donc, il y a une série qui a été réalisée avec l'appui et le soutien de Samuel L. Jackson, donc, qui est quand même une célébrité notoire. Et donc, dans cet épisode, il retourne au Gabon à la recherche de ses origines. Et en fait, on suit son parcours sur les traces de ses origines, de ses ancêtres. Et bien sûr, on va être amené à parler de la question de l'esclavage. C'est un épisode qui est très bien fait également. Qui, même quand on connaît bien les questions effectivement liées à l'esclavage, on découvre encore des choses. Et ce jeudi, on a quand même trois rendez-vous. Donc vous... Ah oui, donc jeudi très chargé, effectivement. Le 1er juillet, retenez bien les dates. Donc Saint-Pierre à 19h. Si vous êtes plus du côté de Chelcher, à 18h, on a également Massacre
Sacré River qui est reprojeté en présence aussi du docteur Max Casimir hein, qui lui va se déplacer de commune en commune. À Saint-Joseph aussi à 18h30, on projette le film PSE Forever. Donc, c'est la musique, la partie voilà. musique. Hein. Patrick Saint-Éloi. Donc là, sujet plus léger, mais documentaire très intéressant qui retrace le parcours du chanteur. Voilà, et puis ensuite, le vendredi 2 juillet, on sera au Hanse d'Arlet, à 19h, à la Paillotte du Bourg, avec un film également assez fort, Restituer l'art africain, les fantômes de la colonisation, donc qui parle effectivement de... Tout cet art qui a été pillé donc, par les Européens, et la question de la restitution qui se pose constamment. Exactement. C'est très actuel, hein, c'est la problématique actuelle qui a été un peu enclenchée par le discours d'Emmanuel Macron, le fameux discours devant les étudiants de l'université de Joseph Kizerbo à Ouagadougou, où il avait pris l'engagement d'enclencher cette dynamique-là. Et ça se révèle un peu plus difficile que sur le papier. Parce que même la loi française elle-même, en l'état, estime que les biens qui sont dans les musées nationaux sont inaliénables. Donc il faut faire des lois pour modifier cela, etc. Donc il faut une vraie volonté politique et puis il faut pouvoir bousculer tout un establishment culturel français qui est dans la globalité, assez hostile. Mais c'est la même chose en Angleterre, c'est la même chose en Allemagne, c'est la même chose en Belgique. Voilà, c'est une problématique qui concerne, en fait, tout l'Occident, l'Occident colonisateur. Voilà. Mais c'est très intéressant, c'est bien fait, c'est un très beau film. D'accord. Mais malheureusement, ce soir-là, il y a encore deux autres rendez-vous. Malheureusement. Oui, parce que quand vous me donnez le choix, ils sont tous bons. Qu'est-ce que je fais ? Non, eh bien, attendez-vous à ce que l'année prochaine, vous ayez un choix encore plus difficile. Bon, peut-être que l'année prochaine, ce sera pas, vous n'aurez pas le choix entre trois projections, mais peut-être quatre, parce qu'on veut absolument que ce festival soit le plus partagé possible avec la population sur tout le territoire, non pas en décentralisation, mais hors les murs. Vous voyez que je suis taquin. Je sais. On met Clara sur pause parce que je vais continuer. Si j'ai envie de voir tous les films, comment je fais ? Ah, c'est... fallait prendre un pass. non, mais quand ils ne sont pas programmés à la même heure ou pas dans la même commune, c'est difficile quand même. On ne peut pas, sauf avoir le don de député. Oui, c'est-à-dire que moi, là, je me permets de taquiner un peu. Oui. La bonne attitude, ça aurait été de prendre un pass pour Madiana, 14 films, 25 euros. Mais bon, on écarte cette possibilité-là. Après, effectivement, il faut faire des choix tous les jours pendant la semaine. Et puis, il y a quand même une autre possibilité. Il faut surveiller la programmation de Martinique la Première, qui va reprogrammer des films... Ça, c'est important à souligner. Oui. Par exemple, les statues de la Discorde, puisque c'était déjà prévu... enfin, ce qui s'est passé, c'est que nous, notre festival, en principe, c'est avril. C'était là, oui. Ils avaient fait une programmation, les statues de la Discorde ont été programmées une fois, un peu comme ça. Ceux qui ne surveillent pas, comme moi, la programmation de Martinique la Première, notre partenaire, sont passés à travers. Voilà. Il faut... Il y a ces films qui sont estampillés Festival international du film documentaire en Martinique, qui de temps en temps sont programmés par notre partenaire Martinique la Première. Voilà. Parfait. Je précise qu'on tiendra informé effectivement tous les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux pour leur dire si vous avez manqué attention ce soir, ne le manquez pas sur Martinique la Première, il sera diffusé telle date, etc. Effectivement, c'est intéressant cette question du choix, puisque nous, on a dû faire des choix pour cette programmation. Et là, on a également la question de faire le choix le vendredi 2 juillet, entre Léonce d'Arlet et Restituer l'art africain. Sainte-Luce, à 18h30,
à la Maison pour tous au quartier Monesi, où les statues de la Discorde sera encore projetées. Donc finalement, pas, voilà, oui. Il est projeté plusieurs jours, donc on peut aussi s'adapter en conséquence. On sera également au Diamant à 18h30 le vendredi 2 juillet avec le film Patrick Chamoiseau, L'intention du monde, en présence de Patrick Chamoiseau également. Donc voilà, donc c'est quand même une programmation assez riche. On est très content d'avoir autant de communes partenaires, hein, puisqu'on a 10 communes partenaires. On clôture effectivement le festival avec la dernière commune. C'est samedi 3 juillet. Au Carbet. À 18h30. Voilà. Avec tout le monde film est invité. Massacre River. Oui, tout le monde est invité. C'est gratuit. C'est gratuit. Comment vous faites pour les mesures de la distanciation sociale? C'est les communes qui s'en occupent. Voilà. D'accord. C'est les communes qui s'en occupent et ça fonctionne très bien. On n'a jamais eu aucun problème. Oui, c'est ça. Les gens sont très responsables quand même. Donc je dis tout le monde est invité dans la mesure des places disponibles sur oui, place. Oui, bien sûr. Oui. Et donc pour la soirée clôture, il y aura Massacre River. Donc. Encore un très beau rendez-vous avec Max Casimir, le docteur Max Casimir. Oui, toujours au rendez-vous aussi, oui. D'accord. Alors, j'ai vu sur le programme quelque part que l'on peut jouer et gagner des invitations. Comment faire? Oui, ça se passe sur Facebook et sur Instagram. Et en fait, tous les jours, on pose des questions à nos visiteurs du site. Et quand ils répondent juste, on leur offre des invitations. Mais ça, c'est uniquement pour Madiana, puisque, je le répète, en commune, c'est entrée libre. Oui, c'est donc, c'est gratuit. D'accord. Donc, il n'y a pas de... La semaine qui vient, là, il n'y a pas de paiement. Tout est gratuit. Hein? Oui, tout à fait. Gratuit. Est-ce qu'on peut dire quelque chose sur cette partie que vous désignez par journée professionnelle? Donc, vous en avez déjà évoqué, c'est votre volonté de mettre en rapport, en mettre en relation les artistes, donc les potentiels réalisateurs de documentaires avec des spécialistes. Oui. Ça marche bien depuis 5 ans que vous avez institué ce rendez-vous? Ça marche bien? Combien de Martiniquais suivent ces rendez-vous? Oui, ça marche bien et puis surtout, ça se développe de plus en plus. On remarque qu'il y a de plus en plus de professionnels de l'audiovisuel martiniquais qui participent à ces rendez-vous masterclass qui leur sont un peu réservés. Hein. Effectivement, ce n'est pas ouvert complètement au grand public, c'est vraiment pour les professionnels. Là, ils payent quelque chose? Non, bien sûr, c'est gratuit complètement. Toujours. Oui, ça, c'est un point d'honneur également, effectivement. À Madiana, voilà, il y a un entrée parce que c'est un cinéma. Il faut y a une salle. Mais sinon, tout le reste, bien sûr, on tient à ce que ce soit effectivement gratuit et qu'il n'y ait pas de participation financière pour participer à ce genre d'événement. Donc, ça marche bien, les masterclass, on est très contents. Là, d'avoir pu quand même les maintenir en avril, je le répète, 6 masterclass en distanciel, donc par Zoom. Mais ça fonctionne bien, on s'est adapté. Ça permet effectivement à des professionnels de l'audiovisuel martiniquais de rencontrer des diffuseurs, des producteurs, d'autres réalisateurs peut-être, pour simplement parfois échanger sur les différentes pratiques liées à l'écriture documentaire. Là, sur place en Martinique, nous avons la chance d'avoir Hugo Sobelman et Claire Laboré, qui sont deux réalisateurs de talent, qui viennent partager leur expérience autour de l'écriture documentaire. Donc l'écriture documentaire, c'est le nerf de la guerre aussi, puisque c'est celle qui permet d'avoir ensuite des financements auprès des diffuseurs. Donc c'est un peu compliqué parfois pour un réalisateur d'écrire le projet avant même de l'avoir filmé. Mmh. Et donc ils vont partager un peu cette expérience-là. C'est un retour d'expérience. Donc ces masterclass, on en est très fiers. Je dirais qu'en là par exemple sur cette édition, il y a bien 130 personnes quand même qui ont été concernées par ces masterclass. On est très contents effectivement de pouvoir partager ça, parce que c'est bien beau de diffuser des films, mais voilà, la relève est également à assurer. Donc en fait, on essaye d'agir sur ces deux tableaux-là et de permettre voilà. Là, je vais me tourner donc à ma gauche, hein, donc vers Jean-Paul, et je vais l'embêter encore, le taquiner, parce que je sais qu'il aime plaisir. La prison. Il aime la prison. Hein? Oui, tout à fait. Et alors pourquoi? Parce que c'est vrai, quand on regarde le programme, on voit que vous avez pensé à ce public, donc des gens qui sont privés de liberté, et chaque année, vous faites un devoir d'y aller, d'aller leur projeter. Oui, parce que bon, moi, je suis engagé un petit peu, enfin,
je luttais professionnellement. J'ai participé, par exemple, à la mise en place des écoles de la deuxième chance en Martinique. Et dans les écoles de la deuxième chance, comme leur nom l'indique, il y a des gens qui ont... soit ils ont été décrocheurs et il faut les rattraper, mais parfois c'est plus grave que ça. Ils ont fait des bêtises, ils ont été en prison, et la société doit travailler à leur donner une deuxième chance, même quand ils sortent de prison et tout. Donc moi, j'ai une fréquentation régulière de personnes qui sont dans cette situation. Et puis, peut-être même plus fondamentalement, personnellement, c'est m'obliger à parler de moi là, hein, j'ai consacré une grande partie de ma vie à la politique, et je suis venu à la politique pour aller très vite les Black Panthers. Je me rappelle que quand j'étais au lycée, je lisais des ouvrages de Eldridge Cleaver, l'aventure de Angela Davis et tout. Et mes camarades du lycée me voyaient lire, d'ailleurs en anglais, puisque j'avais eu la chance de faire des petites études. Et j'étais un peu isolé de ce point de vue-là, parce que je m'intéressais à des choses que personne ne savait. Donc, c'est les lettres de prison des Black Panthers que j'ai lues. Et puis, comme je connais leur histoire, je vois comment ces gens-là qui sont rentrés comme des délinquants sont ressortis comme des leaders politiques très importants. Ça a eu une influence sur ma propre vie. Je me rappelle que j'ai fait partie peut-être de la dernière génération qui faisait ce qu'on appelait les trois jours, avant le service militaire. Et comme j'avais lu la biographie de Mohamed Ali, je connaissais bien cette histoire qui est classique, hein, le fait que il devait être... à un moment, il devait partir comme soldat au Vietnam. Et je me rappelle de cette phrase où il dit « Je ne vais pas aller au Vietnam parce que les Vietnamiens ne m'ont rien fait ». Et il a refusé et il a assumé les conséquences, c'est-à-dire qu'il est allé en prison. Et puis pour la beauté du geste et du sport, il est sorti de prison et il a refait un combat pour reconquérir le titre de champion du monde toute catégorie dont il avait été déchu. Et moi, j'ai voulu faire comme Mohamed Ali. J'ai refusé de porter des armes, donc j'ai refusé de faire mon service militaire. J'ai demandé le statut d'objecteur de conscience et je suis tombé, j'ai parfois une chance fantastique, je suis tombé sur un officier qui suivait les mêmes cours que moi dans l'école que je faisais. Il m'a proposé de partir ma passion, c'était l'histoire de l'Afrique. Donc il n'y a pas de hasard, vous voyez où je me retrouve maintenant. Mm-hmm. J'avais fait des études à la Sorbonne sur l'histoire de l'Afrique noire. Et donc je suis parti, il m'a fait partir, j'avais voulu partir dans le pays le plus pauvre du monde à l'époque, suivant les critères occidentaux. C'était l'Éthiopie, hein. C'était la Haute-Volta. Ah, d'accord. Et je suis parti en Haute-Volta où je suis arrivé le 15 septembre 1977. Et cette décision de partir en Haute-Volta, pays dont j'ignorais tout, absolument tout, ça a été d'une grande importance dans ma vie, parce que j'ai rencontré une vraie civilisation, et puis j'ai rencontré des personnes extraordinaires. À une époque, je prenais le thé régulièrement avec un militaire que j'avais rencontré sur un terrain de basket, qui s'appelait Thomas Sankara. Et il me disait tout le temps qu'il allait faire la révolution. Et je dis avec beaucoup d'émotion, Thomas a fait la révolution. Et il en est mort, mais sa trace dans toute l'Afrique est encore présente. C'est une icône comme Mandela, c'est pour tout le tiers-monde, c'est quelqu'un qui a... vous avez des étoiles filantes comme ça, qui avait tout compris, qui se battait pour les droits des femmes, pour l'écologie, pour tout. Et il a laissé des traces qui sont jusqu'à présent des vecteurs de lutte que nous, on a parlé de Thomas Sankara l'année dernière. Il y avait un très beau film sur cet épisode que beaucoup de gens ne connaissent pas. Le fait qu'il avait fait partir des jeunes du Burkina à l'époque, qui sont allés se former
à Cuba avec Fidel Castro. Il était allé les voir à Cuba et évidemment il a été tué après. Et ils sont après rentrés au Burkina et ils occupent des postes de responsabilité parce que des gens qui ont été formés à Cuba. Voilà. Ouais, enfin, tout ça pour dire que voilà ce que. C'est ça mon moteur. Je suis content d'avoir posé cette question alors que j'avais tout faux. Je pensais que vous étiez en train de parfaire votre carnet d'adresses pour vos futures relations, hein, donc en allant à la prison. Mais on voit qu'il y a une vraie démarche, il y a quelque chose de très 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 profond d'apporter cette partie de la culture à des gens qui sont privés de liberté. Ça, oui, parce qu'ils ont le droit à la culture exactement comme les autres. Je vais plus loin. Je pense que la culture peut les sauver. Peut les sauver. En tout cas, dans les discussions qu'on a, je me rappelle d'une visite que j'avais faite avec le président de Contact Entreprise. On avait rencontré quelques détenus et il y en avait un qui avait posé une question à Emmanuel de Rénal en lui disant comment lui, parce que c'est les questions qui se posent, comment il avait choisi son métier. Et je vivais avec Emmanuel de Rénal tout le temps puisqu'on travaillait ensemble et c'est là que j'ai appris que c'est devant une émission de télévision qu'il a vu Jacques Séguéla présenter quelque chose et qu'il s'est dit « voilà le métier que je veux faire ». Il était au Morne Rouge, il a pris le taxi, il est allé à l'époque à la librairie Jean-Charles, il a acheté son bouquin, il l'a lu et à la fin il a dit à son père « voilà le métier que je veux faire ». Et ça avait beaucoup frappé les jeunes et on avait discuté avec eux en leur disant que il faut qu'il reste ouvert, il ne faut pas qu'il se referme, et que souvent ce sont les rencontres qu'on fait qui déterminent les destins. Donc il faut, malgré la situation où ils sont, ce n'est pas évident évidemment, il faut avoir confiance en la vie, confiance en leur propre capacité, et s'ils restent ouverts et s'ils restent déterminés, eux aussi ils vont s'en sortir. C'est le message que moi j'essaie de faire passer continuellement. C'est un très beau message en tout cas. Hein. Voilà, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé, donc moi j'essaie d'aider les gens. Après, à vous entendre, parce que je comprends le sens de l'engagement et en tout cas la portée de ce geste envers ce public. Alors, est-ce qu'on peut dire encore quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Est-ce qu'on a fait le tour? Oui, ben ça c'est. On a fait le tour effectivement des programmations hors les murs. On a parlé du jury, on a vraiment tout dit, oui. Je crois, il me semble. On a fait un point balayé. Complet. Hein. Donc, ben, je peux. Que vous avez peut-être le mot de la fin. Oui, c'est nous, au fur et à mesure qu'on travaille sur ce festival, et au fur et à mesure qu'on sent l'adhésion des personnes, c'est toujours agréable de voir ceux qui reviennent, mais c'est agréable aussi de voir ceux qui ne connaissaient pas le festival et qui prennent contact et qui sont tout étonnés, souvent, en disant « mais je ne savais pas que ça existait », etc. Alors, peut-être une question là. Qu'est-ce qui fait que vous choisissez d'aller au Carbet, à Saint-Pierre? Est-ce ce sont des invitations, des demandes? Comment vous faites? C'est très simple. C'est le maire, chaque fois, ou son service culturel, qui regarde la programmation qu'on a à Madiana et qui choisisse un film dans la programmation. D'accord. Voilà, c'est très très simple. Parfait. Et on a des communes partenaires un peu historiques qui reviennent chaque année. Par exemple, le Carbet. Et des nouvelles qui s'ajoutent. Et donc là, cette année, on est très fiers d'accueillir parmi nos communes partenaires le Lorrain, donc qui sont nouveaux dans les communes partenaires, et le Prêcheur. Voilà. Très très bien. Le mot de la fin, Clara? Le mot de la fin, on espère que vous aimerez autant que nous la programmation. On a hâte de la dévoiler et de la découvrir et redécouvrir avec vous. Et surtout, oui, on vous attend nombreux dans les communes parce que c'est une rencontre encore plus intime autour des films où on a encore plus de temps pour échanger et débattre à l'issue des projections. Donc, ça promet d'être intéressant. Voilà. On est très contents, en tout cas, que le festival ait lieu. Peut-être rappeler le site sur lequel les gens peuvent avoir un complément d'informations. Oui, vous avez toutes les informations sur www.révoltedelhistoire.fr. Parfait. Merci. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Parfait. Alors, ça tape.